Le besoin d'écrire ce livre ne s'est pas présenté de cette manière-là, en fait, puisque ce n'était pas un besoin pour moi de raconter cette histoire-là, puisque c'est une histoire assez personnelle et c'est un récit qui implique ma famille. Donc, je n'ai pas ressenti le besoin de raconter cette tragédie qui est arrivée aux Iraniens en général et à une de mes cousines en particulier. J'ai été approchée par les éditions Stock, par une femme qui s'appelle Léna Moget, qui s'occupe d'une collection qui s'appelle Les Nouvelles du Réel. Et c'est Léna qui m'a proposé d'écrire un texte dans le cadre de la collection, parlant de l'Iran, puisque la collection fait appel à des écrivains francophones qui parlent de leur pays, ou même français, je pense, désormais. Je n'en sais trop rien, mais à l'époque, en tout cas, c'est comme ça qu'on me l'a présenté. Donc, toujours est-il que d'abord, j'étais assez réticente à cette idée, puisque j'avais déjà écrit un roman sur l'Iran qui s'appelait Des Orientales, qui s'appelle toujours Des Orientales, et qui où je racontais tout ce que je pouvais raconter sur ce pays où je n'y vais pas. Donc c'était difficile pour moi de donner des nouvelles fraîches d'Iran, d'une certaine manière. Mais bon, après on a discuté, elle a insisté, et finalement je me suis pas tant rappelé cette histoire, puisque c'était très vivace dans mon esprit. Mais et puis ça faisait un an que ça s'était produit, cet accident d'avion. Mais je me suis dit, voilà un espace où je peux raconter ce récit-là et opposer un récit au récit du régime iranien. Alors j'écris un livre de non-fiction dans cette collection-là, et en effet, c'est pas mon naturel d'écrire de la non-fiction, et encore moins de dire « je », parce qu'encore on pourrait en écrire sur d'autres événements qu'un événement personnel. Mais je pense que face à un... Parce que ce récit, quand même, ce n'est pas seulement sur cet avion qui est tombé, c'est aussi sur les mensonges d'un régime. Et qui dit mensonge, et surtout en politique et dans ce pays-là, dit beaucoup de fiction. Donc il y avait énormément, pendant 3 jours après la chute de cet avion, le régime a raconté toutes les histoires possibles et imaginables, commençant par accident technique, incendie dans le moteur, etc. etc. Donc, disons, la part de fiction a été prise par le régime, donc il fallait que moi, chez moi, il y ait une part de réalité très importante même, pour contrecarrer cette fiction et pour apporter des preuves à ce que j'avançais et à opposer à ces mensonges. Donc, du coup, moi, j'ai pris le contre-pied de ça et je suis allée dans l'hyper réalisme et le jeu. Ce livre est un livre de lutte, oui, c'est un livre de lutte contre l'oubli, parce que l'oubli est très organisé dans ce régime politique-là et en général, dans tous les régimes totalitaires ou dictatoriaux, l'oubli est très organisé. Et d'ailleurs, c'est un des points communs entre ce régime qui est un régime du Moyen-Orient, République islamique, et le régime communiste ou d'autres régimes. Et l'oubli étant organisé, il faut lutter contre ça et il faut garder vivant la mémoire des individus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent et beaucoup de gens qui sont tués, et que ça soit dans les prisons ou ça soit par des accidents provoqués comme cet avion. Et la mémoire aussi en tant que histoire de ce pays, puisque l'histoire aussi est taillée en pièces. Ce n'est pas que la mémoire des êtres humains, où l'oubli n'est pas organisé qu'en direction des êtres humains. L'oubli est général, c'est l'oubli d'une histoire, l'histoire d'un pays, l'histoire des gens qui ont fait ce pays, l'histoire pré-islamique de ce pays, etc. Donc, en effet, il y a toujours une lutte qui s'engage à partir du moment où on veut sauver la mémoire. En fait, le 8 janvier 2020, il y a un avion de ligne qui partait de Téhéran, de l'aéroport international de Téhéran, et qui reliait Kiev, et de Kiev partait à Toronto. Donc Kiev était pour certains une destination, mais pour d'autres, et pour beaucoup d'autres, l'escale avant d'arriver à Toronto. Je dis ça parce que, en fait, dans cet avion, il y a énormément d'Iraniens binationaux. Donc il y avait binationaux irano-canadiens.
Il y avait aussi des gens d'autres nationalités, puisque c'était les congés de fin d'année, que les gens étaient venus en Iran pour rendre visite à la famille, pour passer les congés avec la famille. Donc il y avait aussi des gens qui avaient des conjoints suédois, allemands, etc. Donc cet avion de ligne, après quelques minutes de décollage, explose, c'est-à-dire chute et explose à 40 km à peu près de Téhéran. Dans un premier temps, les autorités disent justement qu'il y avait que le moteur a été s'est arrêté, il y a eu un incendie dans le moteur, et bref, ils évoquent l'accident technique, et très très vite, en fait, les images sortent, puisque c'était aux alentours de 6h du matin et le jour se lève, et très très vite, des images sortent du site du crash. Et là, on voit quand même, et sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je dis « Oh, moi, je n'y étais pas et je n'étais pas en Iran ». Et pourtant, très rapidement, je vois ces images qui sortent sur les réseaux sociaux parce que le site n'a pas été fermé. Donc, la police ne fermant pas le site, laisse des gens arriver et détruire par leurs pas et par le fait qu'ils vont piquer des choses ici et là, détruire ce site. Donc très vite, on voit des missiles, des têtes de missiles, on voit la carlingue avec des impacts, on voit des éléments très surprenants de cette manière-là, on se dit ça ne peut pas être des incendies, enfin un incendie dans le moteur. Et peu à peu, en fait, chemin faisant, non seulement ça commence à mettre le doute dans la tête des Iraniens à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, mais alors le régime continue toujours avec ce discours d'incendie, etc. Néanmoins, il y a des bulldozers qui sont envoyés sur le site. Donc, toutes les preuves disparaissent très rapidement. Les autres preuves sont pillées. Tout ce qui est téléphone portable, tout ce qui est appareil électronique disparaît aussi du site. Mais, entre-temps, un site d'investigation anglais, en partenariat avec New York Times, rassemble ces images et commence à enquêter, mais à partir d'un pays étranger. Donc ça aussi, c'est assez surprenant de réaliser qu'à partir d'un pays étranger, via les satellites et via les images envoyées par des anonymes, ils mènent l'enquête et très rapidement, ils disent que en fait, l'avion a été abattu par deux missiles et que ces deux missiles étaient envoyés par l'Iran. Et il ne faut pas oublier que le contexte, à cette période-là, le contexte, l'Iran était dans une sorte de contexte de guerre avec les États-Unis, puisque 5 jours avant la chute de l'avion, les Américains avaient tué un général iranien qui était considéré comme le numéro 2 du régime iranien, qui s'appelait Qassem Soleimani, et que l'Iran avait crié vengeance, donc il y a eu des représailles cette même nuit, quelques heures avant la chute de l'avion, et derrière, il y a eu la chute de l'avion. Voilà, donc le régime a fini par reconnaître 3 jours après que c'était en effet le régime qui avait envoyé les deux missiles, mais en disant que c'était l'opérateur de lance-missiles qui s'était trompé entre avion de ligne, avion de chasse qui venait de l'Est alors que l'Irak était... Enfin bref, donc avec beaucoup d'embrouillamini et d'explications fallacieuses, le régime dit c'est nous, mais c'est pas nous. Voilà, donc... mais bon, il y a quand même beaucoup d'éléments qui vont dans le sens d'une intentionnalité du régime.